Je veux affirmer avec la plus grande fermeté que ces élections régionales dans la Niébitiassa ont été entachées de nombreuses irrégularités. Il ne reconnaît pas la victoire de son adversaire au régional dans l'Agnébi-Tiassa. Serge-Patrick Edé, candidat indépendant, l'a fait savoir ce lundi 4 septembre lors d'une conférence de presse. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale indépendante, Pierre Dimba, candidat du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, est le vainqueur. Il a été réélu avec un score de 78,10%. Des éléments qui confirment cette fraude massive en notre possession montrent que nos adversaires n'ont pas gagné ces élections. Ils n'ont pas gagné ces élections parce que les PV que nous détenons ici, dont je vous présente aujourd'hui EPP Tabo Barrage 2, deux bureaux de vote, et nous n'avons pas d'annotation de qui a gagné. Les scores, les chiffres sont manquants. Et ces PV-là ont été signés au dos, mais pas de chiffres là-dessus. Selon l'équipe d'Edé Serge-Patrick, un recours en annulation de la victoire de Pierre Dimba a été déposé à la CEI.